Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba, bienvenue dans ce nouvel instant VAP. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on va parler jus aujourd'hui les copains. Ouais, on va parler jus, on va faire du cloud, tout ça, comme on aime faire à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler de celui-ci, le professeur Puff Dark Summer. Accrochez-vous, c'est parti, on y va. Alors les copains, bienvenue aujourd'hui pour cet instant VAP. On va faire aujourd'hui un petit review sur ce jus de malade. Alors ce jus les copains, c'est de la folie furieuse, c'est Professeur Puff qui le fabrique. C'est un jus qui est carrément incroyablissime. Ce jus nous vient d'Allemagne les copains, Professeur Puff vraiment... très 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 bon manufacture de jus, il faut dire ce qui est. Alors celui-ci, le Dark Summer en Limited Edition, c'est un jus assez particulier. Alors pour commencer, il faut, je vous préviens tout de suite, c'est un jus frais. Donc les amis, c'est un fruité frais. Pour ceux qui ne sont pas fans des fruits très frais, je suis désolé, ça sera pas un jus pour vous pour le coup, mais honnêtement, c'est de la folie. Hein. Attendez, les goûts les copains, parce que c'est quand même ça qui importe, non? Alors le goût pour celui-ci, c'est myrtille, mûre, mentholé avec un arrière-goût de cocktail assez impressionnant. En fait, il a une saveur. C'est difficile à vous le décrire là maintenant tout de suite comme ça en vidéo parce que c'est du goût qu'on parle là. Mais alors, il a une saveur absolument incroyable. Il a une saveur que j'ai retrouvée dans aucun jus jusqu'à présent. Aucun jus, c'est le premier que je vois avec, que je goûte avec autant de saveurs prononcées, assez impressionnantes en bouche. Oh, pour commencer, ce Dark Summer, c'est un semi-dye, c'est-à-dire un semi-dye dans le sens où il arrive en concentré, 20 ml. Vous êtes servi dans un gorilla avec 200 ml de contenance. Il va bien évidemment vous falloir une base neutre. Mais attends, Jerry, on est là pour faire du cloud, on va le tester, non? Alors, pour le tester, je vais chercher mon Aegis Legend et mon Zeus Sub-Ohm, parce que c'est totalement ce qu'il faut, en vérité, c'est totalement ce qu'il faut. Hein. Alors les copains, on va remplir la bête, parce que honnêtement, hop... On n'a pas le choix. D'ici là, n'oubliez pas les potos. Bah, lâchez un petit pouce bleu si ça vous plaît, les instants VAP. Allez-y, ça aide énormément la chaîne. Ça récompense le travail. Et puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, regardez une vidéo, abonnez-vous. Ça vous coûte rien en vrai. Hein. Alors, on va y mettre du jux hein, dans notre petite bête là. Grosse bête, peu petite. Hop, on y va. Glou, 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 glou. Bah ouais, en fait, en vérité, il y a quand même beaucoup de millilitres hein, dans le Zeus. Alors, il faut y aller. Hop, on est bon. Alors, pour info, je vape sur le Zeus avec une résistance à 0,19 ohms et à 70 watts. Petite info complémentaire, je le conseille ce jus avec une base de 70 VG, 30 PG au minimum. Je vous conseillerais peut-être pas d'aller sur trop de VG parce que vous allez perdre forcément du goût. Donc en toute franchise, allez-y tranquille avec un bon 70-30, ça fera très bien l'affaire. Dans ce genre de matos, vous aurez aucun problème de fuite et le goût sera là quoi. Alors vous êtes parti? Attendez, on se fait un cloud. À 70, on est parti. Ah, ce côté. Oh. Si on ferme les yeux, on se croirait au soleil. Si on ferme les yeux, on se croirait au soleil, là. C'est un truc de ouf. Allez, on s'en referme.
un pur plaisir ce jeu. Les copains, je ne peux que vous le conseiller. C'est alors tous ceux qui aiment le fruité frais, mais allez-y les yeux fermés quoi. Faites comme ça, vous le prenez. Et franchement, il fait 11 euros. Alors, je suis désolé pour mes compatriotes francophones, je ne suis pas sûr que vous le trouverez en France. Malheureusement, c'est un produit allemand. Mais je vous invite à aller sur Amazon.de par exemple et à regarder si vous pouvez vous le faire livrer directement chez vous. Je vais regarder si je vous le trouve, je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Mais j'ai un fort doute que vous le trouviez en France. Malheureusement, je ne crois pas qu'il est commercialisé. On se refait un nuage, les copains ? Bah oui. Mais vapez avec moi, allez-y, sur votre jus préféré, et dites-moi en commentaire ce que vous vapez. Dites-moi ce que vous vapez, ce que vous aimez vaper. Mais dites-le moi. Aïe, aïe, aïe. Et franchement, sur la The Sub-Ohm, c'est juste une tuerie, quoi. C'est juste une tuerie, hein. Il faut dire ce qu'il y a, les potes. Ce jus est absolument extraordinaire. On a une saveur myrtille qui ressort. Un truc de dingue, hein. On le sent comme ça, il arrive. Très sucré, mais en même temps pas trop. Comme il faut, juste au bon endroit, au bon moment. Il tape comme ça à la gorge avec ce petit côté frais. Ah, on dirait un cocktail en plein sur la plage de Mexico. Mexico. Alors les copains, je sais que vous aimez vaper avec moi, je sais que des fois je suis un petit peu fralé, mais c'est ça qu'on aime, hein. Écoutez, on est dans un instant vape, les vapoteurs fous, les chasseurs de nuages, allez-y, mais sautez sur ce jus de malade, c'est un jus de fou. La saveur est absolument délicieuse. En comparaison, on peut aller sur un Valkyrie, par exemple, de Aiel. On peut aller sur du Ragnarok, très fruité aussi. Toujours dans la saveur. Mais honnêtement, cette saveur-là, vous la trouverez nulle part ailleurs. Professeur Puff Dark Summer. Oh. Les copains, ben écoutez, c'était tout pour cet instant vape. Oui, je sais, vous en voulez plus, vous aimeriez que je vous envoie les vapeurs pour que vous puissiez sentir cette saveur absolument délicieuse. Un jour peut-être, quand l'avenir le pourra, le voudra, comme on veut. Les copains, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Avant de vous en aller, n'oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche, ne rien manquer des prochains instants vape. En ma compagnie. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu du bonheur, hein, ça fait plaisir. N'oubliez pas ça, les potos. Les chasseurs de nuages, je vais vous laisser sur un gros cloud. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel instant vape. Ciao les amis.